Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui est extrêmement important et qui prend de plus en plus d'importance dans le débat sur l'énergie et qui a trait aux minerais stratégiques et leur rôle dans la transition énergétique. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Jérémy, qui je passerai la parole dans un instant et je te laisserai te présenter Jérémy. Mais donc, Jérémy est l'un des auteurs d'un rapport que l'AIE a publié tout dernièrement sur ce sujet des minerais stratégiques dans la transition énergétique. Avant de lui passer la parole, je voudrais juste remettre un petit peu dans le contexte ces webinaires que nous proposons chaque mois sous le nom des Universités Afrique de l'AIE. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre agence, nous sommes une agence intergouvernementale qui travaille et qui est au cœur du dialogue mondial sur l'énergie et sur la transition énergétique, couvrant toutes les technologies, toutes les énergies, et travaillant de plus en plus avec le continent africain à travers des relations avec les dirigeants de haut niveau pour prendre état de la situation énergétique et pour organiser des forums et des espaces de dialogue sur les priorités énergétiques pour l'Afrique, mais aussi avec des activités plus pratiques, notamment de renforcement des capacités avec des formations en statistiques, des formations en modélisation et en projection de long terme, ainsi que beaucoup d'autres activités. Ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme qu'on a développé avec l'Union européenne, où donc, comme vous le savez, on a des cours approfondis sur les statistiques et la modélisation énergétique de manière assez focalisée sur 10 pays d'Afrique subsaharienne, mais également ouvert au plus grand nombre, notamment pour toutes ces activités qu'on propose en ligne. Et donc, en plus de ces webinaires mensuels comme celui d'aujourd'hui, nous allons avoir de plus en plus d'activités proposées. Donc, n'hésitez pas à noter la date du prochain webinaire qui sera organisé en partenariat avec la FAO pour discuter du sujet clé de la biomasse en Afrique. Et n'hésitez pas à vous manifester si vous n'êtes pas dans nos groupes WhatsApp ou dans notre communauté LinkedIn pour avoir accès à l'ensemble des informations sur nos activités. Sans plus tarder, je te passe la parole, Jérémy, puisque c'est un sujet qui a fait l'objet d'un travail très approfondi, un rapport qui est extrêmement intéressant, extrêmement complet. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je te passe la parole tout de suite pour présenter quelques conclusions clés de ce récent rapport. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci Arnaud et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jérémy Lagelet, je suis dans le département juridique de l'AIE et je suis un des auteurs du rapport sur le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique, publié en mai. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le Q&A, donc la fonction, vous pouvez taper vos questions dans le Q&A. Et normalement, je vais garder les questions pour la fin, à moins qu'il y ait des questions de clarification ou à ce moment-là, peut-être que je pourrais les adresser à ce moment-là. Donc, déjà, le point de départ. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Cette année, nous avons vu la multiplication des engagements de pays pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou peu de temps après. Plus de 40 pays et l'Union européenne ont maintenant pris cet engagement et ces pays représentent environ 70% du PIB et des émissions de gaz à effet de serre, au niveau mondial. Pardon, Jérémy, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux repartager ton écran pour avoir la main sur la présentation? Ah, je m'excuse. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est parfait. Merci. Super. Donc, comme je disais, on a des pays représentant environ 70% du PIB mondial et des émissions qui ont pris donc cet engagement de zéro émission nette. Mais bien entendu, ces engagements demeurent pour le moment des engagements. Mais s'ils sont respectés, cela implique une accélération massive du déploiement des énergies bas carbone. Ceci implique beaucoup plus de véhicules électriques, d'éoliennes, de panneaux solaires, de réseaux électriques,
Et toutes ces technologies sont nécessaires pour nous amener vers une trajectoire durable et éviter les pires impacts du changement climatique. Mais ceci signifie également beaucoup plus de minerais et de métaux pour produire ces technologies. Donc, d'une part, le lithium, nickel, cobalt, manganèse et graphite sont essentiels pour la performance, longévité et la densité énergétique des batteries. Les terres rares sont nécessaires pour les aimants permanents, qui sont essentiels aux éoliennes et moteurs de voitures électriques. Les panneaux solaires, qui en tant que tels ne sont pas si consommateurs de minerais, mais en fait l'explosion de la puissance installée implique une augmentation massive de la demande en silicone, en argent et en cuivre. Et enfin, l'infrastructure d'un système énergétique plus propre et électrifié est également importante. Le cuivre est la pièce maîtresse pour toutes les technologies liées à l'électricité. Et l'expansion des réseaux électriques requiert une quantité énorme de cuivre et d'aluminium. Donc, beaucoup de technologies nécessaires pour un futur d'énergie propre requièrent plus de minerais que celles basées sur les hydrocarbures. Nous ne prenons pas en compte l'acier dans cette analyse ou l'aluminium en dehors de la présence de l'aluminium dans les réseaux électriques. Donc, comme on peut le voir ici, une voiture électrique classique nécessite 6 fois plus de minerais qu'une voiture à essence. Et un parc éolien en mer nécessite, par exemple, 13 fois plus de minerais qu'une centrale au gaz de taille équivalente. Sur les 10 dernières années, les renouvelables ont pris le dessus dans les investissements en production d'énergie. Et en conséquence, le volume de minerais requis en moyenne pour produire une nouvelle unité d'énergie a augmenté de 50%. Le monde a assez de ressources pour accomplir la transition énergétique, mais ce n'est pas une garantie que ces minerais et métaux seront disponibles au moment précis où nous en aurons besoin et à un prix raisonnable. Donc, un des messages clés de ce rapport, quelle que soit votre perspective sur le secteur énergétique ou la transition énergétique, est de garder un œil vigilant sur les minerais stratégiques. En effet, ils deviennent une part de plus en plus importante du monde de l'énergie et de la sécurité énergétique globale. Les défis qu'ils présentent sont gérables, mais ils nécessitent toute l'attention des décideurs politiques dès à présent pour s'assurer que la transition énergétique soit durable, sécurisée et rapide. La première question que nous nous sommes posés donc, dans cette analyse était à quelle vitesse est-ce que la demande pourrait augmenter ? Nous avons mené une analyse détaillée de différents scénarios et de 11 cas d'évolution technologique alternative. Et en bref, atteindre les objectifs climatiques nécessitera au moins 4 fois plus de minerais pour les technologies bas carbone d'ici 2040. C'est le résultat de notre Sustainable Development Scenario, le SDS, qui est un scénario aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. Une transition encore plus rapide pour atteindre zéro émission globale nette d'ici 2050 nécessiterait 6 fois plus de minerais en 2040 comparé à aujourd'hui. Le principal facteur de cette augmentation est la croissance exponentielle de la demande de minerais pour les voitures électriques et batteries, suivi de près par la demande en minerais liée à l'expansion des réseaux électriques et la croissance de la production d'énergie bas carbone. Mais lorsque vous regardez en détail, on voit que pour certains minerais, la croissance est beaucoup plus forte qu'une multiplication par 4 ou 6. Dans un scénario où les ambitions climatiques prennent le dessus, la demande en lithium augmente particulièrement rapidement. Cela dépend de la rigueur des politiques climatiques et des évolutions technologiques. Mais dans un scénario compatible avec l'accord de Paris, la demande en lithium est plus de 40 fois supérieure d'ici 2040 comparée à aujourd'hui, suivie du graphite, cobalt et nickel, autour de 20 à 25 fois supérieure. Quel est l'impact de la transition énergétique pour les sociétés minières cherchant des débouchés dans le secteur énergétique? Les implications sont assez spectaculaires. Aujourd'hui, par exemple, les revenus du charbon sont 10 fois supérieurs à ceux des minerais stratégiques. Mais un renversement de situation très rapide s'opère dans un scénario en phase avec les objectifs climatiques, avec l'utilisation du charbon chutant de manière
irrémédiable. Et les minerais stratégiques, on le vend en poupe grâce à la demande croissante et à la pression à la hausse sur les prix. Les revenus globaux de minerais stratégiques dépasseraient ainsi ceux du charbon bien avant 2040. Il y a donc une opportunité stratégique pour les sociétés à saisir, et certaines la saisissent déjà, pour se positionner dans des secteurs prometteurs. Cependant, ceci ne signifie pas forcément une transition fluide pour les emplois dans le secteur. Certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Australie disposent à la fois de charbon et de minerais stratégiques, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays. Il y a encore énormément de travail à faire pour gérer les conséquences sociales de ce changement dans le secteur énergétique, bien entendu. Pour se tourner vers le côté de l'offre, chaque chaîne d'approvisionnement a ses spécificités et complexités. Mais un point essentiel est que la production de nombreux minerais stratégiques est plus concentrée que celle du pétrole ou du gaz. Ces niveaux de concentration élevés, en plus de chaînes d'approvisionnement qui sont déjà très complexes, augmentent les risques de perturbations, de restrictions commerciales ou d'autres aléas dans les pays producteurs. Pour le lithium, cobalt et terres rares, les trois plus grands producteurs mondiaux contrôlent plus des trois quarts de la production mondiale. La République démocratique du Congo représente 70% de la production mondiale de cobalt, la Chine environ 60% de la production de terres rares. Le niveau de concentration est encore plus spectaculaire pour les opérations de raffinage, avec la Chine jouant un rôle majeur à tous les niveaux. La Chine a investi massivement dans ses chaînes d'approvisionnement minéral pour soutenir son industrie des batteries, la production d'éoliennes, de panneaux solaires et l'expansion de ses réseaux électriques. Ceci nous mène donc à la question clé. Si la demande en minerais augmente abruptement, ce qui sera le cas si les engagements climatiques sont concrétisés, est-ce que les approvisionnements pourront suivre ? Nous avons analysé de manière détaillée les capacités de production actuelles et les nouveaux projets en construction. Et voici les résultats. En bref, à l'heure actuelle, la production est structurée dans une optique d'action graduelle et insuffisante pour combattre le changement climatique. Vu sous un autre angle, les investisseurs n'ont pas l'air d'être convaincus que les décideurs politiques mondiaux vont concrétiser leurs engagements. Nous observons donc un décalage entre les ambitions climatiques mondiales et l'approvisionnement stratégique qui sont essentiels pour mettre en œuvre ces ambitions. Ce décalage n'est plus à court terme, tandis que pour la production de lithium, de nickel et les terres rares, la situation est plus tendue. Si nous regardons plus loin dans un scénario en phase avec les ambitions climatiques, les approvisionnements en lithium et cobalt de mines existantes ou en construction ne satisfont que la moitié environ de la demande d'ici 2030. Une condition clé pour réduire ce décalage est que les décideurs politiques clarifient non seulement leur plan à long terme, mais également qu'ils spécifient comment y arriver. Ceci implique d'établir des étapes à court terme pour un déploiement d'énergie propre donc dans cette décennie. Ce serait vital pour réduire les risques d'investissement et assurer un flux de capitaux suffisant pour les nouveaux projets. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Les nouveaux projets ont généralement des délais de développement très longs, y compris 4-5 ans en moyenne pour la construction d'une mine, d'un projet minier, et des années supplémentaires pour la préparation et les autorisations réglementaires. Ces longs délais de développement devront être considérablement réduits pour accélérer l'approvisionnement. Il existe également d'autres défis pour l'approvisionnement. Il n'y a pas un manque de ressources, mais la qualité de ces ressources sont en baisse. Par exemple, la teneur en minerai de cuivre au Chili a chuté de 30% sur les 15 dernières années. Les minerais de moins bonne qualité nécessitent plus d'énergie pour les extraire, faisant augmenter les coûts, les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de résidus. La capacité de l'approvisionnement donc à suivre le rythme d'une transition énergétique accélérée n'est donc pas évidente. Dans le cadre de nos recherches, une autre question qui nous a souvent été posée est la suivante. Est-ce que les technologies bas carbone sont réellement propres, si on prend en compte les émissions le long de la chaîne d'approvisionnement ? Pour répondre à cette question, nous avons comparé une voiture de taille moyenne, un moteur à combustion, et une voiture électrique à batterie en termes d'émissions le long du cycle de vie. Premièrement,
Concernant la voiture, il y a des émissions associées à la production de la voiture, mais la plupart des émissions en fait proviennent du carburant utilisé durant la durée de vie de cette voiture. Pour la voiture électrique, la production génère un peu plus d'émissions que pour la voiture conventionnelle, notamment en raison des batteries. Mais même en prenant en compte une hypothèse haute, la différence n'est pas énorme. Donc le cycle de vie est en grande partie basé sur l'électricité utilisée pour faire rouler le véhicule. Dans un monde où le changement climatique est pris sérieusement, le mix électrique global moyen résulterait en environ moitié moins d'émissions sur un cycle de vie comparé à une voiture traditionnelle. Si nous faisons le calcul pour des pays dont la production d'électricité est bas carbone, les émissions diminuent à nouveau de moitié. Les émissions de gaz à effet de serre issues de la chaîne d'approvisionnement ne réduisent donc pas à néant les avantages climatiques indéniables des technologies bas carbone. Ceci dit, les producteurs de minerais doivent faire plus d'efforts pour minimiser les émissions. Dans le cadre de nos recherches, nous avons observé de vastes variations en termes d'empreintes carbone issues de différents producteurs de minerais stratégiques. Il existe de nombreuses méthodes pour les producteurs pour améliorer leur performance énergétique par le biais de la substitution de combustible, électricité bas carbone et des gains d'efficacité énergétique notamment. L'importance croissante des minerais stratégiques dans un système énergétique bas carbone force les décideurs publics à changer leur perspective et à prendre en compte de nouvelles vulnérabilités potentielles et réfléchir à de nouveaux modes d'action. Ces 6 recommandations clés que vous voyez à l'écran sont basées sur le rôle leader de l'AIE dans le monde de la sécurité énergétique, ainsi que sur des exemples d'initiatives nationales et internationales existantes. Premièrement, des mesures pour soutenir les investissements dans les sources d'approvisionnement diversifiées. Comme mentionné avant, des signaux clairs des décideurs publics sont nécessaires pour donner la confiance aux sociétés pour qu'elles investissent dans de nouvelles sources. Mais bien entendu, pour la sécurité énergétique, la sécurité d'approvisionnement réside également dans la diversité de ces approvisionnements. Dans ce contexte, les gouvernements de pays riches en ressources peuvent soutenir de nouveaux projets en renforçant leurs bureaux d'études géologiques, en rationalisant les processus d'allocation de permis pour réduire les délais, en soutenant financièrement les projets pour minimiser les risques et en sensibilisant le public aux contributions de tels projets pour la transformation du secteur énergétique. Une des leçons clés de la longue expérience en sécurité énergétique de l'AIE est qu'une approche complète ne peut pas se focaliser uniquement sur l'offre. Il est essentiel que les gouvernements soutiennent également l'innovation technologique, qui peut réduire les tensions sur l'approvisionnement en réduisant l'intensité matérielle et en facilitant la substitution de matériaux. Juste un exemple, 40 à 50% des réductions dans l'utilisation de l'argent et du silicone ces dernières décennies ont permis un déploiement spectaculaire des panneaux solaires aujourd'hui. Un troisième secteur qui va gagner en importance est le recyclage. Pour les métaux comme l'acier, l'aluminium et le cuivre, des mesures de recyclage sont bien établies. Mais ce n'est pas encore le cas pour beaucoup de minerais stratégiques tels que le lithium et les terres rares. Cette situation devra changer rapidement car le volume de batteries usées issues de véhicules électriques atteignant leur fin de vie primaire devrait exploser après 2030. Les opportunités seront d'autant plus importantes que les pays auront déployé les technologies bas carbone de manière précoce et massive. Le recyclage n'éliminera pas, bien entendu, le besoin d'investissement continu dans les nouvelles sources d'approvisionnement. Mais nous estimons que les volumes de cuivre, lithium, nickel et cobalt recyclés issus de batteries usées pourrait réduire la demande primaire totale de ces minerais d'environ 10%. Un quatrième secteur comprend les mesures pour augmenter la résilience des chaînes d'approvisionnement et la transparence des marchés. Comme nous l'avons appris dans le cadre des programmes de réaction d'urgence de l'AIE, des analyses de marché régulières, des données fiables et des tests de résistance périodiques pourraient aider les décideurs politiques à identifier les vulnérabilités, évaluer les impacts potentiels et réagir en conséquence. La constitution de réserves stratégiques volontaires pourrait, dans certains cas, aider un pays à faire face à court terme à des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Nous devons également décupler les efforts pour contrer les impacts sociaux et environnementaux des minerais, y compris les émissions de gaz à effet de serre, la pollution
les conditions de travail des mineurs, etc. Les réponses au changement climatique ne peuvent pas être fondées sur des injustices ou des conséquences environnementales à d'autres points de la chaîne de valeur. Les fournisseurs doivent exercer leur devoir de vigilance pour identifier, évaluer et gérer ces risques. Enfin, nous devons renforcer la coopération internationale entre producteurs et consommateurs. Un cadre international pour le dialogue et la coordination des politiques entre producteurs et consommateurs pourrait jouer un rôle clé. Donc, ces 6 piliers peuvent fournir une base pour une nouvelle approche à la sécurité énergétique. Il y a des opportunités énormes si les gouvernements peuvent agir ensemble de concert. Pour sa part, l'AIE est déterminée à avoir un premier plan pour aider les gouvernements à travers le monde à anticiper et gérer ces vulnérabilités potentielles et éviter les conséquences les plus dommageables pour nos économies et notre planète. La sécurité énergétique et les normes ESG, donc environnement, social, gouvernance, ne sont absolument pas séparées. Elles sont en fait intimement liées. Les consommateurs et les investisseurs demandent de plus en plus un approvisionnement responsable et durable. Si la performance environnementale et sociale n'augmente pas, ceci pourrait réduire le volume disponible pour faire face à la demande et pourrait créer des tensions supplémentaires. La mauvaise performance environnementale et sociale peut également mener à des perturbations des approvisionnements. Des sites de production peuvent être fermés ou bloqués en raison de désaccords entre les employés et les entreprises qui gèrent ces mines, par exemple, ou pour l'accès à l'eau ou en raison d'actions réglementaires pour éviter le travail des enfants. Les accidents de barrage, les retenues de résidus, par exemple, peuvent générer des fermetures de long terme et des coûts très élevés. La responsabilité civile et pénale liée aux conséquences environnementales et à la corruption peut donc faire augmenter les coûts avec des conséquences financières et de réputation dramatiques. Les perspectives actuelles ne sont pas très bonnes. 10 à 20% des minerais stratégiques viennent de pays avec des scores de gouvernance ou des émissions élevées d'après les données de la Banque mondiale, comme on peut le voir à l'écran. À l'écran, maintenant, on voit donc différents types d'impacts sociaux et environnementaux qui impliquent donc le changement climatique, l'utilisation des sols, la gestion de l'eau, les résidus, la gouvernance, la santé, la sécurité et, bien entendu, les droits de l'homme avec le travail forcé ou le travail des enfants qui joue un rôle important là-dedans. En ce qui concerne la production donc de résidus, comme mentionné précédemment, la qualité des minerais baisse dans le temps et la quantité de résidus augmente de manière proportionnelle. Les résidus miniers donc, ont parfois créé des catastrophes de très grande échelle, comme par exemple à Brumadinho au Brésil en 2019, lorsqu'un barrage de retenue avait cédé, et ce qui avait causé la mort de plus de 270 personnes. Donc des politiques et des normes industrielles robustes sont nécessaires pour limiter les risques et encourager une gestion durable de ces résidus. En ce qui concerne les impacts sociaux, les mines artisanales et à petite échelle génèrent des défis spécifiques. Donc, tout d'abord, le cadre réglementaire pour ces mines artisanales ou de petite échelle est souvent inefficace ou inexistant. Notamment, on a des conditions de travail non sécurisées, absence d'équipement de protection, protection inadéquate, par exemple en ce qui concerne le travail des enfants. Et par ailleurs, concernant donc les minerais stratégiques, ce type d'activité, ces mines artisanales et à petite échelle, sont surtout prégnantes dans la production de cobalt, avec 10 à 20% de la production de cobalt estimée qui vient donc de ces mines artisanales et à petite échelle. Donc, les efforts de formalisation de ces activités minières à petite échelle peuvent donc faciliter donc l'amélioration des conditions de travail, de sécurité
les droits de l'homme également et notamment le travail des enfants. Malgré des résultats prometteurs, la viabilité à long terme de ce modèle demeure relativement incertaine et des engagements de formalisation à la fois de la part de l'industrie et des gouvernements. De ce point de vue-là, les annonces gouvernementales récentes en République démocratique du Congo sont très encourageantes, notamment la création de l'entreprise générale du cobalt et la norme d'approvisionnement responsable de mars 2021. En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, elle joue un rôle essentiel pour encourager les sociétés donc à identifier et gérer les risques dans leur chaîne d'approvisionnement, notamment donc par le biais du devoir de vigilance, comme notamment porté notamment par l'OCDE avec son devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement de minerais. Les efforts multilatéraux donc, pour améliorer les transferts de connaissances et les formations peuvent s'avérer très efficaces pour réduire les écarts de ressources entre pays. À l'écran, vous voyez les exemples de quelques organisations internationales qui travaillent sur ces sujets, donc le Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, appelé IGF, Energy Resource Governance Initiative, Extractive Industries Transparency Initiative. Donc, il y a déjà un assez grand nombre d'acteurs, mais malgré donc, ces succès qui sont nombreux, la prolifération d'initiatives internationales augmente le risque de doublons et potentiellement de manque de cohérence entre ces initiatives. C'est pourquoi un forum de haut niveau pour la coopération internationale pourrait jouer un rôle stratégique pour aider à harmoniser et à améliorer les normes environnementales et sociales tout en sécurisant donc les approvisionnements. Et donc l'AIE se tient prête à ce niveau-là donc à jouer un rôle et à aider les pays à accomplir donc leur transition énergétique dans les meilleures conditions possibles en ce qui concerne les minerais stratégiques. Merci beaucoup. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation et ces éléments très intéressants. Donc, effectivement, vous pouvez poser des questions à travers la fonctionnalité Question and Answer. Vous pouvez également lever la main et prendre la parole. On sera ravis d'écouter vos questions. Et d'écouter également vos commentaires, vos remarques, vos partages. On sait que dans de nombreux pays africains, les mines et l'extraction minière a un rôle très important dans les économies du pays. On n'est pas partout forcément sur des minerais qui sont stratégiques pour la transition énergétique, comme Jérémy l'a montré. Je pense à beaucoup de pays du Sahel où il y a une forte activité aurifère. Donc, ce n'est pas directement un sujet lié à la transition énergétique, mais il y a beaucoup de similitudes, en tout cas d'enjeux partagés, je pense, avec ce que Jérémy a discuté dans les dernières diapositives, à savoir les impacts socio-environnementaux, les cadres de gouvernance, la coopération régionale et internationale. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, que ce soit sur des minerais dont on a pu parler, comme le cobalt, le cuivre, qui sont présents, on le sait, très largement sur le continent, ou pour d'autres minerais, comme l'or, qui peuvent poser des défis qui sont également intéressants pour notre discussion. Et alors, peut-être pendant que vous prenez le temps de poser vos questions, je souhaiterais insister sur un point, Jérémy, que tu as mentionné, qui est cette question de la sécurité énergétique. Peut-être pour apporter un peu plus de contexte sur l'AIE et sa mission première. Si on fait un petit peu d'histoire, l'AIE est une organisation qui a à peu près 50 ans et qui a été créée avec un mandat très fort sur la sécurité énergétique, puisque à cette époque, les principales économies consommatrices de pétrole ont fait face au premier choc pétrolier, donc à une rupture d'approvisionnement
en pétrole. Et donc, l'AIE a été créée avec cette mission de faciliter la sécurité énergétique et avec s'est dotée d'un certain nombre d'outils pour travailler ce sujet. Jérémy a mentionné les exercices de réponse rapide à des crises. Donc, ce sont des simulations où les États imaginent qu'une forte rupture d'approvisionnement est survenue et on essaie de voir comment on peut réagir. Beaucoup d'initiatives aussi liées à la transparence des marchés afin de mieux comprendre quelles sont les sources d'approvisionnement, quels sont les transferts et les différents échanges sur ces produits. Donc ça, c'est une expertise que l'AIE a développée sur le sujet principalement du pétrole et ensuite sur d'autres énergies fossiles. Et comme Jérémy le mentionnait, on se rend compte que dans un monde qui sera de plus en plus décarboné et de plus en plus dépendant de ces minerais critiques, eh bien, ces mêmes réflexes et ces mêmes outils de gestion de la sécurité sont extrêmement pertinents. Et donc, c'est pour ça qu'on invite l'ensemble des acteurs étatiques et au-delà à se poser des questions et à regarder très, très sérieusement la question des minerais critiques. Il me semble qu'on a une question donc, dans le Q&A de monsieur Ahmed Bedouda. La question, je vais lire la question. Quelles sont les initiatives et bonnes pratiques en termes de recyclage de ces minerais en Afrique? Pour répondre à cette question, tout d'abord, le recyclage, merci pour cette question, c'est une excellente question. Le recyclage est vraiment un des points essentiels et un des points où il y a probablement le plus de potentiel dans les années à venir, pour justement éviter en fait de se retrouver dans ce décalage que j'ai décrit où en fait l'approvisionnement ne serait pas capable de satisfaire la demande. Alors nous n'avons pas, alors je ne vais pas répondre spécifiquement pour l'Afrique parce qu'en fait les réponses apportées sont à peu près les mêmes partout avec bien entendu des différences, mais dans les grandes lignes au niveau du recyclage, ce qui est très important, c'est de créer en fait une chaîne de valeur de recyclage. Donc créer une filière en fait, donc pour extraire les minerais qui sont toujours présents dans l'électronique grand public, dans les batteries de voitures. Et vraiment ça, l'explosion après 2030 du nombre de batteries de voitures en fin de vie va vraiment revêtir une importance cruciale. Si les États sont capables en fait de faire face à cet afflux, ce qu'il faut c'est créer des filières donc de recyclage au niveau international, mais également régional et au niveau de chaque pays également, pour en fait que des acteurs émergent qui puissent donc jouer un rôle dans cette chaîne de valeur. Au niveau de politiques récentes qu'on a pu voir mises en place, on a un exemple de la Commission européenne. Donc, au niveau européen, la Commission européenne a fait une proposition récente d'une réglementation pour les batteries, de tout type de batteries qui sont à la fois produites ou importées dans l'Union européenne. Et dans cette réglementation, on voit des objectifs extrêmement ambitieux en termes d'augmentation de la proportion de recyclage de certains minerais, donc avec des indicateurs en fait qui devront être atteints dans les années à venir, et des réutilisations également de certains minerais, notamment cuivre, cobalt, nickel. Et donc cette réglementation, elle vise vraiment, elle est holistique, disons. L'objectif, c'est vraiment de créer une chaîne de valeur. Et également de ne pas faire baisser en conséquence les normes environnementales ou sociales. Et ça, c'est un point très important, que ce soit en Europe ou en Afrique ou ailleurs, c'est qu'il faut que le recyclage ne se fasse pas au détriment des normes environnementales ou sociales. Et la réglementation européenne, par exemple, cherche en partie également à adresser un problème persistant. Donc non seulement pour le secteur des batteries de voitures, mais de tout électronique grand public, c'est les exportations en fait de produits qui contiennent des minerais
qui ont de la valeur, mais qui sont exportées dans des conditions qui ne sont pas tout à fait sécurisées, et notamment pas aux normes environnementales ou sociales, et donc qui sont traitées dans des pays de réception avec des normes plus faibles. Et la réglementation donc, européenne cherche à faire face à ce défi. Donc c'est juste un exemple parmi d'autres, mais vraiment le recyclage donc partout dans le monde pourrait vraiment jouer un rôle essentiel. Comme j'ai mentionné, je crois que le chiffre exact, c'est environ 10% d'après nos estimations. Il pourrait faire baisser la demande, ou pourrait satisfaire environ 10% de l'augmentation de la demande, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces précisions sur la question de clé du recyclage. Et en effet, le rôle que ça peut jouer dans le fait de diminuer la demande. On voit un petit peu les mêmes raisonnements quand on parle d'efficacité énergétique et quand on se pose la question de la future croissance des besoins en énergie. Si on est capable d'améliorer les technologies ou les pratiques et d'augmenter l'efficacité, eh bien pour le même résultat, pour le même niveau de service, on a moins besoin d'énergie. Et je pense que pour la question des minéraux, c'est un petit peu la même logique à l'œuvre, où en recyclant, eh bien on a une demande en matières premières qui peut diminuer. Il y a une question sur la qualité des minerais. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Je sais que dans le rapport, il y a davantage d'analyses sur ce point. Oui, tout à fait. Très rapidement, en fait, il y a des raisons géologiques toutes simples. C'est tout d'abord qu'en fait, on a déjà exploité beaucoup des minerais de grande qualité. Les activités minières, logiquement, se concentrent donc sur les dépôts miniers les plus riches, les plus denses en minerais. Mais au fur et à mesure que l'exploitation continue, on atteint donc des couches géologiques où les minerais sont de moins bonne qualité. C'est vraiment la raison principale qui est vraiment accentuée en fait par cette augmentation de la demande. On a d'une part, comme on le voyait tout à l'heure dans la présentation, on a d'une part la chute au cours des dernières décennies de la qualité des minerais et d'autre part l'augmentation de la demande. Et ce qui implique donc des émissions, par exemple, de gaz à effet de serre plus fortes parce que en fait, l'extraction de ces minerais de moins bonne qualité demande plus d'énergie. En fait, on a besoin de plus d'énergie pour raffiner notamment ces minerais. Il y a des raisons naturelles, mais qui sont accentuées en fait par cette explosion de la demande. Et je vois une question sur si les minerais tels que le lithium demain remplacent le rôle du pétrole aujourd'hui comme matière première, est-ce qu'on doit s'attendre à une plus grande transparence de ces marchés car ils deviendraient un bien public mondial ? Merci pour cette question. Concernant la transformation, comme vous l'avez dit, c'est effectivement ce à quoi on assiste. Alors, bien entendu, on en est encore aux prémices, mais on assiste effectivement à une évolution. On va passer potentiellement d'un système énergétique mondial qui reposait avant tout sur le pétrole, mais les hydrocarbures en général. Sur un système énergétique en fait qui reposerait en grande partie sur les minerais et qui serait très consommateur de minerais. Est-ce que ça va augmenter la transparence des marchés? Nous pensons que c'est nécessaire. Nous pensons qu'il faut que cette évolution soit accompagnée par beaucoup plus d'efforts au niveau de la transparence des marchés. En effet, la transparence peut permettre notamment de récompenser une performance environnementale et sociale plus forte pour les minerais et d'exclure de certains minerais qui seraient produits dans des conditions qui ne sont pas aux normes. La transparence peut également permettre d'atténuer les tensions sur l'approvisionnement. Souvent, les tensions sur l'approvisionnement sont lié au fait qu'en fait, on a parfois peu d'informations sur les capacités de production existantes, de raffinage.
la transparence est vraiment clé. Et il faut que, voilà, et dans les 6 recommandations de l'AIE, voilà, la transparence est l'une de ces recommandations, car c'est vraiment un point essentiel. En ce qui concerne voilà, la question de est-ce que ça deviendrait un bien public mondial, il faut certainement qu'il y ait une prise en compte accentuée également de certains critères, également en termes de, par exemple, de développement économique. En effet, ces minerais sont souvent concentrés dans des pays en développement, bon, même si ce n'était pas toujours le cas, et les pays consommateurs sont en grande majorité voilà, des pays qui n'ont pas ces ressources. Donc, il y a également voilà, des questions d'équité qui se posent, et c'est pourquoi l'AIE soutient l'idée d'une gouvernance mondiale en fait, pour ces minerais, et notamment d'un forum mondial qui pourrait servir en fait, à échanger entre producteurs et consommateurs et s'assurer qu'en fait, la transition énergétique ne se fait pas au détriment donc, d'une part de certaines régions du monde, mais également ne se fait pas au détriment de l'environnement ou des questions sociales. Merci Jérémy. Peut-être pour apporter un petit point de complément sur cette question. Le début de la question était est-ce que les minerais tels que le lithium demain remplaceraient le rôle du pétrole? Peut-être juste pour apporter des chiffres sur nos différentes projections. Donc, dans un scénario où en 2050 le monde atteint le net zéro d'émissions, nous ce qu'on projette, c'est qu'en effet la demande en pétrole va diminuer, va être divisée par 5 par rapport à aujourd'hui, alors que la demande en minéraux critiques serait multipliée par 6. C'est le chiffre qui était montré dans les diapos de Jérémy, donc selon notre scénario net zéro. Donc, ce n'est pas un remplacement complet, mais c'est effectivement un changement de paradigme et c'est un effet de ciseau et d'inversement assez important. Et peut-être un deuxième point sur la stabilité et la transparence des marchés. Ce qu'on a pu observer sur les marchés pétroliers, c'est que qu'est-ce qui contribue à une stabilité, notamment des prix? Au premier chef, c'est la diversité de l'offre et la pluralité des pays producteurs. Si je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé lors de l'année 2019 sur les marchés pétroliers, on a vu des événements très disruptifs. Il y avait eu par exemple une attaque terroriste sur le premier site de raffinage et d'exportation de pétrole d'Arabie Saoudite. Il y avait eu des évolutions de la capacité de production de pays comme le Venezuela. Il y a les sanctions sur l'Iran. Donc des événements géopolitiques majeurs, mais qui ne se sont pas reflétés par des perturbations des prix du baril de pétrole, alors que, pour revenir encore, il y a 50 ans, on avait eu un premier choc pétrolier avec des prix du pétrole qui ont été multipliés par des chiffres très importants. Donc, sur ces dernières années, on a observé qu'avec un approvisionnement pétrolier diversifié avec de nombreux pays producteurs, les marchés parvenaient à s'équilibrer et les prix donc restaient stables. Donc, je pense que c'est aussi des éléments qui pourront permettre de manière analogue au marché des minerais de rester stable. Après, la question, et c'est aussi des choses qui ont été montrées dans le rapport, c'est qu'aujourd'hui, les ressources sont plus concentrées que pour les hydrocarbures. Donc, je pense que c'est aussi pour cela qu'une des recommandations du rapport, Jérémy, c'était qu'il y ait davantage d'exploration, de permis géologiques qui soient délivrés afin d'avoir davantage de réserves et, si possible, une plus grande diversité des productions. Tout à fait. Merci. Il y a une question, pensez-vous que la domination de la Chine dans le raffinage est vouée à perdurer ou d'autres acteurs prendront plus de place à l'avenir? C'est une excellente question. Comme vous l'avez vu sur la présentation, la Chine joue un rôle vraiment extrêmement important à tous les niveaux du raffinage pour beaucoup de ces minerais stratégiques, notamment par exemple les terres rares. Est-ce que ce rôle est voué à perdurer? Alors oui, tout simplement, bon, pour le moment, parce que c'est vraiment là où est concentrée une grande partie du raffinage. Il faut prendre en compte également le fait que voilà, un certain nombre de pays ne sont
il faudra une évolution pour être prêt à, également à accepter les conséquences sociales et environnementales d'avoir des opérations de raffinage, par exemple de terres rares, qui produisent un certain nombre de résidus qui peuvent être polluants, radioactifs. Donc, il faudra une évolution, du moins, pour que d'autres pays donc, prennent une place plus importante. Mais on voit quand même émerger d'autres pays, y compris donc, dans le raffinage. On a un certain nombre de pays, comme par exemple l'Indonésie ou la République démocratique du Congo, qui ont tenté également ces dernières années de mettre en place en fait, une industrie du raffinage local, avec plus ou moins de succès. Mais bon, en tout cas, pour le moment, la Chine demeure donc le principal pays pour le raffinage. Merci Jérémy. Je peux peut-être commencer à répondre à la question suivante. Peut-on réellement parler d'énergie renouvelable pour des sources qui se basent, notamment pour les processus de production, sur des minerais qui, eux, ne sont pas renouvelables? Alors, c'est effectivement une question qu'on entend souvent se poser. Et je pense que il y avait une diapositive de Jérémy qui comparait une voiture thermique avec une voiture électrique. En fait, quand on parle d'énergie, je pense qu'il faut garder à l'esprit deux choses. Il y a la source, le combustible qui est à la base de la génération de l'énergie, et il y a le dispositif de capture, de production lui-même. Donc aujourd'hui, quand on a de l'électricité qui provient du charbon, alors on a à la fois le charbon, qui est une ressource fossile, non renouvelable, et on a évidemment la centrale thermique qui implique du matériel, qui est construite en ciment, qui implique des turbines, etc., qui sont aussi fabriquées à partir d'équipements non renouvelables. Donc finalement, rien n'est... Il y a une finitude de la matière sur Terre, donc rien n'est renouvelable. Dans le cas de ce qu'on appelle généralement les énergies renouvelables, c'est que certes, il y a un dispositif de capture, il y a une éolienne, il y a un panneau solaire, mais la source, le combustible, lui, est l'air, le vent, tout ce qui résulte finalement du soleil, et ça, c'est en quantité renouvelable et infinie. Donc, ce n'est pas pour ça que ça ne pose pas de questions, et je pense que c'est vraiment tout l'objet du rapport, que de dire, avec l'expansion de ces technologies, on va avoir besoin de davantage de ces équipements, de ces éoliennes, de ces panneaux solaires. Et donc, ces équipements nécessitent des minerais. Quelle va être la demande? Je pense, pour venir un peu à un point de conclusion, comme tu le soulignais, Jérémy, qu'il n'y a pas de risque sur la quantité des minerais à notre disposition pour bâtir ces systèmes énergétiques propres. Il y a des enjeux de bonne gestion des chaînes d'approvisionnement pour s'assurer que ces minerais soient délivrés à un bon prix, sans disruption des chaînes d'approvisionnement. Et par ailleurs, si on se pose vraiment la question de l'impact sur les émissions, ben là, je pense que la diapositive que tu as montrée, Jérémy, était sans appel en comparant une voiture thermique qui, en consommant des énergies fossiles, va émettre beaucoup plus qu'une voiture électrique, quand bien même elle nécessite évidemment du lithium ou d'autres minerais dans sa batterie, et que c'est l'extraction et l'utilisation de ces minerais est aussi responsable d'émissions. Tout à fait, rien à rajouter là-dessus, si ce n'est effectivement que notre rapport en tout cas montre que malgré donc les enjeux qui demeurent en termes environnementaux, en termes sociaux, le calcul avantage inconvénient reste très très positif concernant donc ces minerais stratégiques. Et concernant, vas-y Arnaud. Non, j'allais dire on va devoir s'arrêter un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, mais on peut peut-être prendre la dernière question sur la coopération régionale et internationale, Jérémy. Oui, tout à fait. Alors rapidement, et merci pour cette question, parce que je pense vraiment que c'est un des points sur lesquels le plus de questions se posent, parce qu'effectivement, si on souhaite répondre aux défis donc, de la transition énergétique, il va falloir qu'il y ait davantage de coopération. Donc comment est-ce que cette coopération s'opère? Alors déjà, il y a déjà
un certain nombre de coopérations qui existent. J'ai mentionné notamment l'OCDE qui a travaillé avec la Conférence internationale sur les régions des Grands Lacs pour mettre en place un document sur le devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement en minerais issues de zones donc à conflit. Et ce document a vraiment eu un succès très, très important, car c'est vraiment devenu en fait la référence internationale qui a été adoptée dans le droit américain, donc aux États-Unis, le Dodd-Frank Act, qui a été adopté dans l'Union européenne, dans sa directive sur les minerais stratégiques. Et donc, ce document, il appelle les sociétés, enfin, il met en place un cadre dans lequel les sociétés peuvent donc sourcer leurs minerais de manière responsable. Donc ça, c'est juste un exemple de ce type de coopération à la fois régionale et internationale avec les organisations internationales. Il y a d'autres organisations que j'ai mentionnées avant. La Banque mondiale joue également un rôle dans ce secteur. Donc on voit qu'il y a vraiment un tas d'initiatives en fait qui existent déjà. Cependant, nous appelons en fait à une plus grande cohérence de ces initiatives, car parfois elles se concentrent sur des points assez précis, par exemple les mines artisanales et à petite échelle, ce qui est très important, mais parfois on se concentre sur un point précis, mais alors qu'il y a beaucoup d'autres points dans la chaîne de valeur en fait à analyser. Donc cette coopération régionale internationale, elle existe, mais il y a un certain nombre de points qui ne sont pas forcément couverts en fait, et donc c'est pour ça que nous appelons donc à un renforcement de cette coopération. Merci beaucoup Jérémy pour cette réponse et pour l'ensemble de ton intervention. C'était extrêmement riche et intéressant. Merci à vous tous de votre participation et de vos questions. N'hésitez pas, si d'autres questions vous viennent à l'esprit, de nous les envoyer par email. Alors il y a un rapport complet qui est extrêmement riche, extrêmement dense et qui est en anglais. Le résumé exécutif sera bientôt disponible en français. Mais n'hésitez pas à vous y référer pour davantage d'informations sur ce sujet. Merci Jérémy, merci à tous et très bonne journée. Merci tout le monde, au revoir.